La station française du Grand Bornand accueille les épreuves de Coupe du Monde de biathlon ce week-end. Un dimanche très attendu avec les premières mass starts de la saison. Un dimanche très attendu puisqu'hier, vous avez vu sans doute Quentin Fillon-Maillet briller. Nouveau leader du classement général, Hugo de Gouzel. Enfin, le voilà dans la lumière. Si je vis jusqu'à 80 ans ou plus, je m'en rappellerai encore. Hier, au Grand Bornand, Quentin Fillon-Maillet a survolé la poursuite. Pour la première fois de sa carrière, il est propulsé leader de la Coupe du Monde. J'ai imaginé tout un tas de scénarios, mais celui-ci, il n'était pas arrivé. Et finalement, on imagine toujours nos rêves plus haut que ce qui se passe en réalité. Mais finalement, là, la réalité a surpassé l'imagination. À 29 ans, le Jurassien savoure, après avoir été longtemps dans l'ombre de Martin Fourcade, une ombre qui planait encore hier sur le pas de tir, au moment de faire la décision. Et c'est moi qui décide, hein. Je gagne ou je la gagne pas, j'ai 30 secondes d'avance. J'ai pensé un peu à Martin Fourcade, qu'est-ce qu'il aurait fait dans ce genre de situation. J'avais envie de lever le poing comme lui à l'époque et ouais, ça m'a donné des idées. Martin Fourcade à l'esprit, un dossard jaune à assumer dès la mass start de cet après-midi. Surtout, une nouvelle occasion de briller.